Bonjour à tous, bienvenue à cette émission environnementale avec Odette Sarrazin, qui, si je vous la présente brièvement, vous la connaissez déjà certainement, mais elle est un modèle à nos doigts de la lutte aux hydrocarbures. Donc, elle a notamment, elle s'implique comme coordonnatrice au régional au Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, RVHQ. Elle a organisé le spectacle bénéfice pour Solidarité Ristigouche. Qui a ramassé 12 000 $ pour la cause de Ristigouche. Donc, Odette Sarrazin a vraiment œuvré dans ce milieu-là, puis en plus de travailler fort, puis de mener cette lutte citoyenne, a remporté le prix Patriote de l'année remis par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Donc, Odette Sarrazin, bienvenue sur notre plateau. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Parlez-moi donc de ce prix que vous avez reçu. Oui, bien, c'est un titre. C'est le Patriote de l'année 2017-2018, qui est la médaille Bene Merenti de Patria, qui est remise depuis 1924. Et ben, il m'a fait plaisir de vous la présenter parce que c'est pas quelque chose que j'accroche dans mon cou. Il y a du poids. Et ben, c'est ça, je porte ce titre fièrement pour tous les citoyens et toutes les citoyennes du Québec qui s'impliquent en environnement. Et pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans un environnement sain, pour notre droit à un environnement sain. Fait que donc, voilà pour la médaille Bene Merenti de Patria. Félicitations, Odette, pour ce prix-là. C'est vraiment inspirant. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment un modèle pour toute la communauté de Lanaudière. Donc, félicitations encore. Maintenant, on va parler des deux sujets pour lesquels on t'a invité aujourd'hui. Le premier, c'est la caravane La Gaspésie à cœur. Et le second, c'est Saint-Gabriel, Ville verte et branchée. Donc, on commence avec le premier. Oui. La caravane La Gaspésie à cœur. Probablement qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui ne savent pas exactement c'est quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi cette caravane? Cette caravane Gaspésie à cœur, le tour de la question eau et hydrocarbures, c'est un projet qui est démarré en 2016, 2017, suite à un plan d'action du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Fait que donc, on a formé un comité pour se rendre en Gaspésie et pour s'informer, connaître les enjeux qu'on a en Gaspésie. Et les enjeux, ben, c'est que la Gaspésie, au complet, est presque sous permis gazier, qu'on appelle des licences maintenant dans les nouveaux règlements. Et fait que donc, ça, c'était de voir comment les gens vivent ça chez eux et tout ça. Deuxièmement, ben, c'était d'établir des contacts avec les gens parce que pour nous, la mobilisation citoyenne, ça passe par établir des contacts, être capable de se parler, de discuter, d'échanger. Et le but, c'était de former des comités de citoyens. Ça s'est organisé de cette façon-là. Fait que, puis le principe qu'on avait de cette caravane, c'était d'organiser des conférences et des témoignages dans le plus de municipalités possibles avec lesquelles on a pu organiser ces activités-là. En gros, je pense que ça couvre le ben en tout cas, ça dit un petit peu pourquoi on était là. OK. C'était de quelle date à quelle date ça s'est Bon, déroulé? ça s'est déroulé du 25 mai au 3 juin. OK. Nous sommes partis le 24 mai, la veille, en véhicule électrique ou hybride. Ça faisait partie aussi de notre projet de vraiment ne pas augmenter les gaz à effet de serre en Gaspésie. Essayer de respecter leur milieu de vie. Et donc, le 25 mai, nous sommes arrivés à Rimouski avec un point de presse et avec une conférence en soirée. Et on a ensuite, Amqui, Pointe-à-la-Croix, par la baie des Chaleurs, on est revenu, on est, on, nous sommes, nous avons terminé à Gaspé le OK. 3 juin. Et quel genre d'activité, vous m'avez parlé de conférences, mais est-ce qu'il y a eu d'autres types d'activités qui ont été organisées? Bon, au niveau des conférences, les conférences étaient avec du contenu scientifique, du contenu juridique, du contenu historique et du contenu sociologique. Fait que donc, nous avions des conférenciers, une belle diversité Belle brochette. belle brochette de conférenciers et conférencières. Donc, ben, les noms, certaines personnes donc, que vous connaissez, comme Marc, ben, peut-être, là, si vous êtes venu dans quelques-unes de nos activités, Marc Brulemans, Richard Langelier, on fait partie de l'équipe. Chantal Savaria, qui a beaucoup travaillé sur Gaspé, sur le projet Aldiman. On a eu ensuite des gens qu'on ne connaissait pas du tout, mais des gens de la place, comme du contenu historique avec Pascal Alain à Pointe-à-la-Croix, qui nous a décrit
L'histoire des hydrocarbures en Gaspésie, comment c'est arrivé ces projets-là? Puis, et aussi bien, les batailles qu'ils ont dû mener aussi par rapport à des porcheries, il y a eu de la mobilisation citoyenne. Si on prend Jean-Marie Thibault à Gaspé aussi, sur l'histoire qui est enseignée dans les écoles et qui est beaucoup basée sur l'histoire qui s'est passée à Québec ou à Montréal, mais on a complètement retiré des manuels scolaires ce qui s'est passé en Gaspésie, alors que le projet économique en Gaspésie, c'était la morue. On a toujours parlé de la traite des fourrures, bien, mais pour le poisson en Gaspésie. Puis on a eu bien, le bonheur d'accueillir Marie-Ève Maillé. L'acceptabilité sociale sans oui, c'est non. Mm-hmm. Et très bonne, excellente conférence, une conférencière qui nous est arrivée à la dernière minute, mais qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié. Alain Deneau, Alain Deneau, qui est une personne réputée à travers, ben, en tout cas, très réputée au Québec, mais réputée aussi mondialement, qui nous a fait l'honneur de donner 3 conférences. Fait que donc, c'était quoi ces sujets Bien, pour lui, c'est le colonialisme des compagnies gazières et pétrolières, comment ils s'accaparent le bien des municipalités, comment ils s'accaparent le pouvoir auprès des élus, puis nos élus politiques. Et puis, ils sont toujours là pour toujours prendre les avantages, les profits. Et comme disait Maître Gérard lors d'une conférence Saint-Gabriel, et la socialisation des pertes, bien, c'est nous qui la payons. Hmm. Oui, bien, on pourrait parler encore beaucoup du contenu, mais je ne sais pas. Il y avait beaucoup de conférenciers, en tout cas beaucoup de diversité, de ce que je comprends. Oui. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu où la caravane s'est arrêtée précisément en Gaspésie, les oui. villes? Oui. Donc, Rimouski, premier arrêt avec conférence de presse et tout ça, et avec la rencontre, c'est ça, de maires, dont le maire, parce que je pense que c'est une municipalité dont on peut s'inspirer, la municipalité de Saint-Valérien, dans le Bas-Saint-Laurent, okay. avec le maire Robert Savoie, avec un plan de développement durable, une planification de développement durable de 2012 à 2022. Et ce projet-là a vraiment été porteur pour inviter des jeunes à venir s'établir en région, dans sa région. Et l'anecdote qu'il nous a contée, c'est quand il est arrivé en 2010, il restait 2 classes dans l'école primaire. Et là, en 2018, l'école est pleine. Fait que donc, ça fait image et on voit le dynamisme et tout ça. Quand on se donne des plans d'action puis qu'on veut les réaliser, on peut y arriver. Ensuite, Amqui avec Alain Deneau, le maire aussi de Amqui qui était présent et qu'on a appris que c'est la première communauté bleue au Québec qui s'est inscrite à ce titre-là. Et ça va être un projet qu'on va vouloir continuer avec les municipalités ici dans la Naudière cet automne. OK. Est-ce que vous pouvez un peu préciser c'est quoi une communauté bleue? Une communauté bleue, c'est une communauté qui s'engage à retirer toutes les bouteilles d'eau de plastique dans les événements publics, à ne pas fluorer leur eau. Pour pouvoir protéger l'eau des municipalités. Et vous pouvez aller voir ça sur Au Secours, la coalition Au Secours. Si vous allez okay. AuSecours.org, c'est un des projets qui est mené par Au Secours. Donc, après Amqui? Après Amqui, Pointe-à-la-Croix, où là, on a rencontré aussi le maire de cet endroit-là. Et... avec Michel Goudreau, qui a été un fondateur du groupe Environnement 20+, et Pascal Alain, avec sa conférence sur l'histoire. Et ça, c'était Pointe-à-la-Croix. Ensuite, nous sommes allés à Bonaventure. À Bonaventure, puis il y avait Alain Deneau aussi, là, dans ses... Amqui, Pointe-à-la-Croix et Bonaventure, Alain Deneau a fait les 3 conférences. Bonaventure, c'est ça, dans l'avant-midi, nous avons rencontré le Centre de femmes, Femmes en mouvement, parce que ça faisait partie aussi de notre objectif d'aller rencontrer des groupes. Et les groupes de femmes, les centres de femmes ont été ciblés par nous. Fait que donc, avec Femmes en mouvement le matin, le soir, avec une conférence avec Marc Brulmans et Alain Deneau. Et nous avons découvert une personne pour un témoignage qui est Terra Bro. Une jeune dame, une jeune maman qui a vécu en Alberta, à Rivière-à-la-Paix, et qui a été intoxiquée par les émanations de forage pour extraire les sables bitumineux et pour les traiter, et puis ce qu'ils mettent dans les trains aussi.
Donc, elle a dû, ça a été, elle, une expropriation forcée. Elle a dû quitter en raison des problèmes de santé. C'est ce que le médecin lui a donné comme médicament, quitter la place. Wow. Il n'y avait pas d'autres soins à avoir, c'était ça. Puis elle est devenue hypersensible. Puis là, même, elle est au Nouveau-Brunswick. Puis à un moment donné, il est arrivé un train dans les parages et tout ça. C'était un train de sable bitumineux. Et tout de suite, elle a réagi. Les enfants ont commencé à être malades. Et bon, et pour s'apercevoir qu'elle dit que les sables bitumineux la suivent. En tout cas, donc elle a commencé. Puis nous, ce qu'on a aimé de cette personne-là, c'est que, bien, ce qu'on a aimé, c'est son témoignage vraiment senti et tout ça. Là, c'était assez intense comme émotion. Mais c'était la première fois qu'on l'écoutait. Elle a quitté 2013, elle a quitté l'Alberta. Et là-bas, ils font du déni. Ils disent que c'est pas que les problèmes de santé qu'ils ont, ce n'est pas dû au sable bitumineux. Fait qu'il y a beaucoup de déni, mais pour elle, c'est ça, elle n'était pas écoutée en Alberta, mais d'être avec nous et tout ça, et de voir l'écoute qu'elle a. Et elle va continuer de donner des conférences. Et elle est engagée dans un mouvement là, pour faire connaître les problèmes de santé liés aux hydrocarbures. C'est bien ça. Oui. Donc, ensuite, Chandler, là aussi, on a rencontré le centre de femmes, Femmes entre elles. Et le soir, conférence avec Richard Langelier et Marc Brunemans, dont on a eu l'occasion de rencontrer la mairesse, Madame... Non, donc je ne me souviendrai plus du nom. Donc, on a rencontré aussi la mairesse. Et ensuite, le lendemain, nous étions à Percé, okay. À Percé avec Richard Langelier et Chantal Savaria. Et ensuite, Gaspé, pour terminer à Gaspé. Puis là, Gaspé, c'est trois jours avec des causeries. On avait aussi des causeries. On avait organisé des causeries aussi, okay. avec nos conférenciers, puis avec des citoyens. Fait que donc, ça permettait de poursuivre les conversations qui n'avaient pas pu être conclues, qu'on n'avait pas pu terminer lors de nos conférences. Fait que ça s'est terminé comme ça avec la conférence de clôture avec Jean-Marie Thibault et Marie-Ève Maillé le dimanche après-midi à Gaspé. OK. Tantôt, on a parlé un peu du fait que la caravane était spéciale parce qu'elle était électrique. On a parlé du fait que c'était pour ne pas augmenter les gaz à effet de serre. J'imagine que c'est quelque chose d'essentiel pour un regroupement qui lutte contre les hydrocarbures de faire une telle initiative. Parce que c'est l'objectif ultime, hein, c'est de diminuer nos gaz à effet de serre. Bien, je pense qu'on peut le constater, les changements climatiques, on les vit présentement. Et lutter contre les hydrocarbures, c'est donner une qualité de vie. Parce que si on entend des fois dans la population, on entend aussi dans les médias, en disant que les écologistes ou les environnementalistes, c'est des gens qui sont contre le développement, qu'on est contre tout et tout ça. On est contre des éléments qui mettent notre vie en danger. Et ce qui met notre vie en danger présentement, c'est les hydrocarbures. C'est un moyen d'énergie très efficace, on ne peut pas le nier. C'était très, très facile aussi. Mais là, on doit passer à d'autres choses. Donc, passer à d'autres choses, c'est de passer à des énergies renouvelables. Et oui, comme mouvement écologique, mouvement écologique, bien, c'est de vraiment... Être cohérent avec, c'est ça, avec nos valeurs. Avec nos valeurs. Puis c'est de faire connaître aussi ce qu'on peut faire. C'est que des fois, les gens disent, ben oui, vous êtes contre tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va avoir l'occasion d'en reparler tantôt. Il y avait combien de bénévoles qui étaient, qui faisaient partie de ce projet-là? Bien, nous étions une dizaine de bien, l'équipe était neuf personnes. Mais il y a eu des gens qui nous ont rejoints en cours de route, comme notre coordonnatrice générale, notre ex-coordonnatrice générale du regroupement, qui nous a suivis et qui a donné aussi des conférences. On était 10 bénévoles. Il y avait une équipe qui s'occupait de l'installation. On avait une équipe qui s'occupait des communications. Puis c'est ça. Puis moi, j'étais dédiée à organiser les événements chaque jour. D'accord. Et comment vous avez financé ce projet-là? Bon, ça a été financé, nous avons financé un peu de nos poches, c'est sûr que c'est un budget, c'est un projet, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout le financement qu'il faut, mais il faut dire que c'est sûr que la Fondation Coule pas chez nous nous a quand même donné 10 000 $ pour payer au moins nos conférenciers. Nous autres, on se disait en partant, on paye nos conférenciers puis les gens qui font des témoignages pour qu'ils aient un minimum au moins, ça n'a pas été des gros montants, mais au moins, puis assurer aussi le transfert, bien, payer certains frais de déplacement pour certaines personnes là, qui venaient de plus loin. Oui, puis on a eu aussi la fondation Glasswater, une fondation de la Colombie-Britannique, qui nous a offert aussi un montant d'argent, 1 200 $, qui nous a été
dont la demande de financement a été faite par le Centre avec des ailes à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Centre avec des ailes, je lui ai dit, si vous participez, collaborez à ce projet-là, bien, je m'engage à aller rencontrer tous les centres de femmes en Gaspésie. Et c'est ce qu'on... Bien, en tout cas, on les a pas tout... Ça a été fait. Oui, le plus possible. Mais les autres qui n'ont pas pu, parce que pour X, Y raison, mais les contacts sont faits. Fait que donc, on... C'est parfait, ça. On est branchés avec les centres de femmes de la Gaspésie. Puis, à quoi pouvait ressembler une journée typique dans votre périple? C'est qu'il y avait des camps de base. Il y avait des gens qu'on couchait dans certains endroits qui nous avaient été offerts gratuitement, dans des salles communautaires et tout ça. Puis, il nous est arrivé après ça l'occasion d'avoir des gens qui nous ont hébergés. Okay. Fait que là, le matin, il s'agissait de se rapatrier pour que tout le monde ensemble, on parte pour une activité. Dans la caravane. Dans la caravane, c'est ça. Fait que si on prend la journée de Bonaventure, où le matin, on était avec le centre avec des femmes, femmes en mouvement. Puis là, bien, c'est ça. Puis souvent, bien là, on rencontrait des gens. Fait que les gens, on allait souper ensemble, on allait manger ensemble. Puis ensuite, c'était convivial. Oui, très, très, très convivial. Mais c'est ça qu'on voulait aussi, c'est de faire la rencontre de gens. Comme à Bonaventure, à un moment donné, le conseil municipal ne pouvait pas être là à la conférence. Mais tout à fait par hasard, à un moment donné, je me rends à un endroit et le maire est sur le quai. Donc, on a jasé sur le quai. toutes les occasions étaient bonnes pour pouvoir rencontrer les gens. C'est pour ça qu'on était là, d'ailleurs. OK. Puis, pour ce qui est de la réponse des citoyens, est-ce qu'il y avait beaucoup une bonne assistance à vos activités, vos conférences? L'assistance, il y a eu des endroits qui n'avaient plus, puis d'autres n'avaient moins. Bonaventure, c'est un endroit où il y a eu beaucoup, une cinquantaine de personnes. Mais c'est ça, c'était comme on travaillait avec les contacts qu'on avait en Gaspésie, qu'on avait établi l'année passée lors du procès de Lestigouche, parce qu'on était présents 10 jours, bien, pendant tout le temps du procès à Lestigouche, à New Carlisle l'année passée pour Lestigouche Sud-Est. De là, on avait déjà commencé à établir des contacts. Fait que les endroits où on avait plus de contacts, c'est sûr qu'on avait plus de personnes. Les endroits comme Chandler et Percé, c'était nos premières... nos premières percées, oui. Pour le jeu de mots. Dans ce contexte-là, c'est ça, de faire les contacts, c'était plus difficile. Puis c'est ça, les gens, par contre, on a eu plein de contacts téléphoniques, puis courriels. Mais il y avait des gens, c'est ça, qui étaient dans bien, il y a une personne, entre autres, qui a dit « J'aurais aimé ça être là, mais j'ai une exposition à préparer et tout ça. » L'autre a préparé une marche pour la société Alzheimer. L'autre, elle s'en allait parce qu'il y avait un colloque, je ne sais pas trop quoi, ailleurs. Et fait que les gens qui sont impliqués, puis les gens qui, dans leur communauté, bien, c'est souvent des gens occupés. Mais c'est ça, là, on a une nouvelle liste et on a des nouveaux contacts. Fait que donc, on devrait encore avoir plus de monde la prochaine fois. OK. Au départ, vous m'avez dit qu'un de vos objectifs, c'était de créer des comités citoyens. Est-ce que ça s'est fait ou ça a été plus ou moins réussi? Je dois dire que plus ou moins réussi, c'est que c'est toujours des... Travailler en former des comités de citoyens, ce n'est pas des actions qui se font instantanément. Donc, il faut établir le lien de confiance. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi qui nous motive aussi à former le comité de citoyens. Et présentement, bien, les citoyens en Gaspésie, bien, ils ne voient pas. En tout cas, certaines personnes ne voient pas l'importance ou la pertinence d'avoir un comité de citoyens parce que ça se passe à Gaspé, c'est loin, c'est pas chez eux. Mais là, c'est ça, on leur montrait les cartes, tu sais, regardez, vous êtes sous permis gazier, vous avez des licences, là. Les compagnies pourraient venir forer chez vous. Et le deuxième problème qu'il y a en Gaspésie, où les gens se sentent peut-être un peu moins concernés parce que c'est pas dans leur cours, comme on a vu au Bas-Saint-Laurent, où un matin, des gens voient une tour de forage dans le cours arrière, qui est chez le voisin, là, mais c'est chez eux, c'est qu'en Gaspésie, c'est des territoires non organisés, qu'ils appellent. Fait que donc, c'est des territoires qui appartiennent au gouvernement. Mm-hmm. Fait que ça, ils ne sont pas propriétaires même du dessus du terrain, alors que notre sous-sol ne nous appartient pas. Là. On l'a appris avec les projets de fracturation qu'on a depuis 2008-2009. Fait que donc, c'est dans ce contexte-là que les gens formaient des comités de citoyens. C'est ça, il faut que les gens, c'est ça, il faut se faire confiance entre nous, il faut prendre conscience, c'est ça, quel pouvoir qu'on a, et ça, bien, c'est à développer et tout ça. Fait que donc, les contacts sont à maintenir, mais il y a des gens qui sont montrés intéressés, fait qu'on verra pour la suite des choses. D'accord. Et
Quel moment dans votre expérience a été le plus significatif? Comme je mentionnais tantôt, Terra Bro de l'Alberta, qui a témoigné sur la toxicité des émanations de gaz, tous les problèmes de santé que ça cause. Les sables bitumineux. Des sables bitumineux, mais c'est des émanations, c'est ça, de forages. Parce que pour extraire le sable bitumineux où elle était, à Rivière-de-la-Paix, c'était des forages qu'ils faisaient, puis ils injectaient des produits chimiques dedans. Puis là, ils mettaient ça sur ses trains, et là, puis sur des camions. Puis, ça se répand. Puis c'est ça, bien, c'est parce que les camions aussi doivent avoir des soupapes pour filtrer les produits. Mais elle s'est aperçue dans toutes ses recherches, parce que c'est une femme, tu sais, qui est documentée, là, qui a tout documenté, qui a tout noté, tous les numéros de camions, qui a tout noté les numéros de train, qui a toutes les... ils ont fait faire l'analyse des cheveux de leurs enfants. Tous les rapports toxicologiques, ils les ont tous, excepté qu'il y a des laboratoires qui ont été fermés, puis qui ont tout détruit ce qu'il y avait dedans. Pour détruire les données. Puis il y avait Jessica Hurst aussi, qui est de ce coin-là, qui nous a raconté les mêmes choses. C'est révoltant. C'est révoltant. Puis de savoir que c'est ça, on est menacés, nous aussi, parce que le climat, ça concerne tout le monde. Et puis en plus, bien, c'est ça, les problèmes de santé que ça peut occasionner. Ça fait réaliser aussi à quel point on est chanceux que ce ne soit pas encore bien implanté au Québec, qu'on a encore le temps de que ça ne se répande pas comme une traînée de poudre, l'exploitation gazière et pétrolière. Bien, c'est pour ça. Puis ce que je pense, c'est ça, que des compagnies gazières et pétrolières, c'est que... parce qu'au Québec, le potentiel gazier et pétrolier, il est minime. Là, ils feront pas d'argent. Mais l'argent qu'ils vont faire, c'est en venant... en se faisant financer par nos gouvernements, parce qu'on leur donne des subventions pour aller forer, comme si on prend le montant qu'ils ont reçu d'Anticosti, qui était 90 millions, bien, ils l'ont investi pour aller forer à Gaspésie. Là, avec la Gaspésie, si le ministre dit que là, il retire les permis d'exploration, ces gazières-là, déjà, Aldeman, la compagnie qui maintenant qui est Petrolia qui était là, et acheté par Pierre-Idée. Mais déjà, là, avec les nouveaux règlements que le ministre vient de mettre en place, bien, la compagnie a dit, bien là, on n'a plus le droit d'explorer, bien là, vous allez nous donner des compensations. Fait que je pense qu'ils sont là juste pour avoir... Juste pour avoir des compensations, parce qu'on va... L'argent public. L'argent public, en tout cas. C'est mon point de vue. C'est assez révoltant, effectivement. Donc, merci de nous avoir partagé ce petit témoignage. On va faire une courte pause et au retour, on poursuit notre discussion sur la caravane. Merci. Ici, présentement, vous êtes sur les berges de la rivière AA. Le projet qui est mené ici, c'est un projet de restauration d'habitat. C'est un projet aussi de mise en valeur d'un milieu humide qui a été fortement perturbé lors du déluge de 1996. La partie la plus importante, c'est la transplantation de cyprès d'Amérique que vous voyez un petit peu partout. Donc, cette année, c'est la première phase où on plante 10 000 bottes de cyprès d'Amérique. C'est des activités d'interprétation et de sensibilisation qui sont très diversifiées. On va avoir recréé un milieu qui faisait partie de notre patrimoine naturel. Ça, c'est très important pour nous, mais également tout le volet humain de notre collectivité qui se l'est approprié déjà et puis qui a participé. Donc ça, je suis très fière de ça. Mais la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, sa participation est importante et majeure. Sans elle, je veux dire, le projet n'aurait pas eu lieu. Nous sommes de retour à notre émission avec Odette Sarrazin. On poursuit notre discussion sur le projet La Caravane de la Gaspésie à cœur au hydrocarbure, le tour de la question. On finit notre tour de la question, nous aussi. Comment vous qualifieriez la prise de conscience actuelle des Gaspésiens des projets, des problèmes qui pourraient s'en venir avec l'exploitation gazière et pétrolière? C'est dur à dire? C'est difficile parce que c'est que présentement, les compagnies puis certains élus de la Gaspésie ont toujours comme discours en disant que c'est une valeur économique, que ça va donner des emplois. Puis on sait que les Gaspésiens, puis les régions au Québec sont souvent négligées. Et, tu sais, de pouvoir avoir de la job, bien, c'est un facteur, c'est ça,
qui rend difficile des fois les choix. Cependant, les gens sont très conscients, par exemple, de leur richesse, de leur économie locale. Les rivières à saumon, tu sais, puis ce qu'on a cru comprendre, tu sais, par rapport aux associations de pêcheurs et de... surtout pêcheurs, qu'on a rencontré une association, c'est que les prises de position viennent des fédérations. Puis les fédérations sont dans des bureaux à Montréal ou à Québec, je ne sais pas trop quoi. Fait qu'on dirait qu'ils ne sont pas conscients de ce que vivent les gens à la base. Et là, il y a un travail, c'est ça, d'arrimage à faire, un travail de sensibilisation à faire. Et ça, ça nous a permis de comprendre ça sur place, de voir que les associations de pêcheurs sont très conscients des risques pour leur rivière à saumon. Puis, quand on est allé à Restigouche, quand le slogan de Restigouche, c'était « Boire à la source, c'est la fierté de Restigouche », les gens peuvent boire de l'eau dans leur rivière. Moi, je me dis, tu sais, c'est comme un rêve, tu sais, ici, peut-on imaginer boire de l'eau dans nos rivières, en tout cas? En tout cas, pas celles qui sont proches de nos villages, de nos villes. Mais, en tout cas, donc, c'est ça. Fait que les gens sont conscients, c'est ça, de la qualité de leur eau. Puis, leur agriculture aussi, c'est ça, ils commencent... Bien, il y a beaucoup d'entreprises agricoles où on prend les produits de la mer, bien, les herbes de la mer. Il y a du développement qui se fait en agroalimentaire de plus en plus. Donc, c'est des industries comme gazelle et pétrolière, ça risque d'affecter ça. Fait que ça, ils sont conscients de ça. Mais de là, se mobiliser, puis de dire... Mais c'est une démarche à long terme. C'est une démarche qui va se continuer. Puis comme il y a différentes façons que des gens mettent en place pour lutter contre ces... Fait que là, il reste à savoir les moyens que les gens veulent prendre. Là, il y a des gens qui ont mieux... une tactique plus qu'une autre, là, des actions qui sont plus spectaculaires. Il y en a qui sont pas dans ce style-là. D'autres, peut-être, qui vont préférer peut-être nos activités. En tout cas, l'avenir nous dira. Là. OK. Puis maintenant, ce que je voudrais savoir, en fait, quand on s'implique dans les hydrocarbures, c'est pas rare qu'on se fait dire... Ça ne sert plus à rien, là. Maintenant, on a gagné contre Énergie S, il n'y en a plus de problème, on s'en est sauvé, on s'en est tiré, on a gagné notre bataille. Est-ce que c'est vraiment terminé? Non, puis c'est ça, si on pense, par exemple, à la Fondation Coule pas chez nous, dont la mission était vraiment centrée sur Énergie S, sur le pipeline, ils viennent de changer leur mission pour faire face à tout le développement des hydrocarbures, dont les mythes du gaz naturel, disant que le gaz naturel, ça va nous amener à la transition. Et... Fait que donc, la mobilisation est loin d'être finie. On a Énergie S, puis même quand on entend présentement notre premier ministre fédéral acheter le Kinder Morgan, là, Énergie S, peut-être qu'il aimerait ça se faire acheter aussi. Comme on dit, il aime toujours prendre de l'argent dans nos poches. Nationalisation de pipeline, c'est nouveau, ça. Nationalisation de pipeline, c'est ça, tu sais. Puis après ça, on voit aussi notre premier ministre Trudeau qui va faire la morale au nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, pour dire qu'il ne veut pas lutter contre les changements climatiques. Des fois, il y a des petites incohérences comme ça. Bien, il y a des contradictions, hein. Puis juste pour revenir un petit peu sur le gaz naturel, vous avez évoqué brièvement le mythe du gaz naturel. C'est quoi exactement ce mythe-là, là, pour mettre à jour présentement, c'est ça, le gouvernement du Québec, sur toutes les tribunes, mentionne partout que le gaz naturel, c'est avec le gaz naturel qu'on va faire la transition énergétique. Ils prennent l'argent du fonds vert pour financer des projets de canalisation de gaz naturel. Entre autres, le Bas-Saint-Laurent vient d'avoir une subvention à cet effet-là. Et quand on sait que le gaz naturel, c'est du gaz de schiste, des États-Unis. La majorité, c'est ça qui passe dedans. Et pour se mettre fait dire, parce que j'ai un moment... pour l'avoir entendu, c'est que, présent, Enbridge a 30 % des actions dans Énergir. Fait que donc, les compagnies de pipeline ou d'oléoduc, gazoduc, appelons-le comme on veut, ont des parts dans Gaz Métro. Fait que donc, s'ils ont des parts dedans... Ils vont pousser pour que ça se développe. Bien, ils vont pousser pour que ça se développe, puis c'est pas vers là qu'on doit aller. On a l'électrification ici, on a l'électricité au Québec.
et qui est un moteur économique important. Et puis là, on sait aussi qu'on a des autobus électriques au Québec, fabriqués au Québec à Saint-Jérôme, les autobus Lyon, pour ne pas les nommer. Puis, c'est ça. Pourquoi on n'investit pas dans ces projets-là? Probablement, en investissant dans ces projets-là, on pourrait développer peut-être des autobus encore plus performants, alors qu'on met des millions pour le gaz naturel. Puis comme le gaz naturel, qu'on dit naturel, parce que les impacts environnementaux sont très, très grands. Puis juste si je peux faire une petite précision, si mes chiffres sont exacts, on dit que le gaz naturel, qui n'est pas du gaz de schiste, donc qui est vraiment du gaz qui s'extrait facilement, ça serait 30 % moins polluant que le pétrole. Le problème avec le gaz de schiste, c'est les procédés d'extraction qui rendent l'opération aussi polluante que si on utilisait du pétrole pour fournir la même énergie. Donc, c'est vraiment le processus d'extraction qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc, pour produire de l'énergie, on prend de l'énergie qui est polluante. Donc, premièrement, ça prend de l'eau. Ça prend deux... Il avait fait des calculs pour Anticosti, là, mais c'est peut-être 3 barils d'eau pour sortir un baril de pétrole. Puis ensuite, c'est ça. C'est le problème de la fracturation. Puis il faut le dire qu'au Québec, il n'y a pas moyen d'avoir du pétrole ou du gaz conventionnel. Il faut absolument faire de la fracturation. Puis le ministre Moreau, si je ne me trompe pas, vient d'interdire la fracturation dans le schiste. Mais ça, ce n'est pas interdire la fracturation. Donc, il y a encore des risques. Bien, c'est ça, on a appris, c'est ça, lors de notre tournée en Gaspésie, que présentement, il y a une nouvelle technologie qui s'est développée, qui est de l'acidification. Fait qu'au lieu de ça fait peur juste à l'entendre. Fait que donc, on injecte. Fait que c'est ça. Bien, pour aller mettre de l'acide sur des roches, bien, il faut casser la roche. Fait que donc, ils ne veulent plus appeler ça fracturation, mais en tout cas, on brise la roche. Quand même. Mais il faut passer les tuyaux pour aller porter l'acide sur des roches. Et Mme Savaria nous a fait la démonstration avec une roche de grès ou de dolomie, qui est le sous-sol de la Gaspésie. Fait que donc, quand on dit qu'il n'y aura pas de fracturation dans le schiste, peut-être qu'il n'y en aura pas ici, comme dans la Naudière, mais puis les analyses ne sont pas complètes encore. Éventuellement, on fera des conférences pour vous en parler, là, mais c'est que dans. Sur le territoire de la rive nord, le schiste, il n'y a pas de grande profondeur. En tout cas, il n'y en a pas très profondément. Puis ensuite, on est sur le granit. Fait que les possibilités d'exploitation ici, sur la rive nord... Dans le schiste, c'est faible. Là, je veux dire, je pense qu'ils vont abandonner. Mais on a toujours les permis, les licences. Moi, je me dis, si vraiment ils abandonnent la fracturation, mais enlevez-nous les licences. Tu sais, au moins qu'on soit vraiment sûr qu'il n'y en aura pas d'autres, puis qu'il n'y aura pas un prochain gouvernement qui, lui, a encore le goût d'aller forer dans ces roches-là, juste pour que les compagnies puissent aller se mettre de l'argent, parce qu'ils n'en trouveront pas, là, puis ils vont dire après ça que... Ils vont avoir besoin de compensation. La solution, c'est retirer les permis, la fracturation. Et c'est ce que l'UPA a demandé l'année passée, lors de la Assemblée générale, que le gouvernement retire les permis gaziers, parce que la majorité, c'est sur les terres agricoles, là, les permis gaziers. Puis là, en plus, il y a de plus en plus d'institutions financières qui veulent retirer leurs investissements des hydrocarbures. Il y a plusieurs caisses des jardins qui ont pris des résolutions à ce sujet-là, pour retirer les investissements dans les pipelines et tout ce qui est en lien avec les hydrocarbures. Donc, on sent qu'il y a une espèce de momentum, là. Fait que peut-être que les gouvernements puis les partis politiques, dans la prochaine campagne, devraient peut-être saisir la balle au bon et s'engager dans une transition, n'est-ce pas? Oui, écoutez, ça va être nous autres... La campagne électorale va être aussi des moyens d'action, en tout cas des moyens de participer, en tout cas pour vraiment mettre l'environnement et les changements climatiques sur la table des programmes électoraux. C'est la vie sur la... En tout cas, des fois, on va dire que je suis alarmiste puis que nous sommes alarmistes, mais c'est la vie sur la Terre qui est en danger. Tu sais, quand on pense à la biodiversité, combien d'espèces ont déjà disparu sur la planète? Quand des fois, on s'exclame devant, bien, parce qu'il est question des milieux humides, en disant, bien, exploiter un milieu humide, tout ça. Bien oui, c'est les grenouilles, c'est pour sauver une grenouille ou deux. Mais quand il y aura la dernière grenouille sera sortie de l'étang, bien... On ne sait pas quels impacts ça peut avoir sur les autres espèces. Hein? Bien là, c'est ça, que la vie des autres, comme la nôtre, hein, nous sommes dans l'espèce animale. En tout cas, je pense qu'il faut être conscient de ça puis s'interroger, là. Effectivement. Donc, j'imagine que le RVHQ va se donner quelques orientations pour mener la campagne électorale à côté des partis politiques, aller leur,
leur tirer un peu les verres du nez, aller voir c'est quoi leurs engagements concernant l'environnement. Donc, j'imagine que vous allez avoir des engagements par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis, d'autant plus que dimanche, c'est l'Assemblée générale du regroupement Vigilance et donc, ça fait partie... Tout l'après-midi sera consacré à se donner un plan d'action lors de la campagne électorale. Et puis, il y a aussi un projet avec la Fondation Coule pas chez nous. Un projet aussi, une campagne qui s'en vient aussi avec, c'est ça, avec le gaz naturel, justement, pour dénoncer les mythes du gaz naturel. Bon, on va suivre ça de très près. Et pour ce qui est des projets en général du RVHQ et d'Odette Sarrazin, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Ça va être occupé? Ben oui, des fois je me dis, oh, là, je prends une pause et tout ça, mais il y a toujours un événement ou quelque chose qui me fait réagir. C'est difficile de ne pas s'investir. Mais pour le RVHQ, c'est la campagne électorale, ça c'est, et c'est le gaz naturel qui va être gaz naturel qui implique aussi le gaz au Québec là, parce que les compagnies veulent s'il n'y a plus de fracturation, il va y avoir d'autres façons de vouloir le sortir. En tout cas, ils vont amener d'autres façons. Puis, bien, quant à moi, bien, c'est ça, je suis toujours là pour former des comités de citoyens, ceux qui ont... ou de vous joindre à nos comités de citoyens déjà formés, parce qu'on... puis on a des projets, c'est ça, pour organiser des conférences et tout ça, puis être membre d'un comité de citoyens, bien, former un comité de citoyens, bien, c'est donner des moyens pour pouvoir discuter, échanger, c'est des rencontres tout à fait informelles où on prend le temps d'échanger sur des enjeux. Qui sont importants pour tout le monde. Qui sont importants pour tout le monde, puis pour surtout les générations à venir. Bien, merci beaucoup, Odette. Donc, les coordonnées pour rejoindre le regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec vont apparaître à l'écran si jamais vous voulez vous joindre au comité de citoyens. Et si vous voulez suivre, évidemment, la page Facebook du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec ou des comités de citoyens, il y en a une panoplie. Donc, vous êtes invités à les suivre. On va vous mettre un paquet de liens que vous pouvez... trouver sur Internet. On va faire une courte pause et au retour, on discute de Saint-Gabriel, une ville verte et branchée. Le Barachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au Barachon de Malbaie, on peut observer des bernaches du Canada, des bernaches cravants, le grand héron également, des édards à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du Barachon de Malbaie et de la Pointe-Saint-Pierre. Odette, tu nous as apporté un livre qui est très intéressant. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est un livre, c'est ça, c'est un collectif de scientifiques et qui ont fait différentes études sur le golfe. Ça s'appelle « Notre golfe, les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, enjeux sociaux, économiques et environnementaux ». Si j'en passe, parce que c'est un livre qui est gratuit, que vous pouvez vous procurer sur Internet, notregolfe.ca. Et c'est ça, c'est pour en savoir plus, en savoir davantage. Et c'est aussi, comme il y a une étude, entre autres, moi, qui m'a intéressée, c'est avec des jeunes. Comment ils perçoivent l'environnement pour eux? Est-ce que c'est désespérant? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont une prise? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? En tout cas, il y a une des personnes qui a fait une étude des élèves du secondaire, que j'ai trouvé intéressante, mais beaucoup d'autres thèmes qui, sûrement, vous allez en trouver là-dedans qui vont vous intéresser. Et d'autant plus, bien, parce que c'est gratuit, notregolfe.ca. Et si plus vous allez consulter leur livre, bien, ils risquent d'avoir du financement pour un deuxième. Fait que donc, consultez. Parfait. Nous sommes rendus à parler de l'événement qui s'est déroulé dernièrement à Saint-Gabriel, qui s'intitulait « Saint-Gabriel, ville verte et branchée ». Donc, quand est-ce que ça a eu lieu, cet événement-là? C'est samedi dernier, samedi le 23 juin, au Centre sportif et culturel Brandon, où nous avons fait l'inauguration d'une borne, mais aussi le dévoilement d'une œuvre de Yves Louis XVI.
Qui est Yves Louisset? Yves Louisset, c'est un artiste, sculpteur, céramiste dans un premier temps. De la région de Saint-Gabriel? Ben, maintenant, c'est ça, il habite Saint-Gabriel depuis, okay. depuis 10 ans. Mais c'est un artiste, c'est ça, qui a vécu à Montréal, qui a parcouru le monde. Il y a des œuvres un peu partout. C'est un artiste, c'est ça, réputé, mais qu'on connaît peu. Et donc, il a travaillé à notre projet, puis on en est fort heureux. OK. Puis, c'était quoi qu'il y avait comme objectif derrière l'installation de cette borne et de cette sculpture? Bon, l'objectif, c'était d'avoir une borne, pour véhicules électriques dans le contexte de changement climatique, dans le contexte aussi que Lanaudière, c'est la première ville, bien, on est la première ville à avoir autant de véhicules électriques par habitant. C'est celle qui en a le plus. Celle qui en a le plus. On a le plus de véhicules électriques. C'est impressionnant. On doit être fiers. Mais bravo pour nous. Mais nous sommes les derniers en termes d'installation de bornes de recharge. C'est un petit peu incohérent. Bon, donc, dans ce contexte-là, nous sommes un groupe. Avec les Amis de l'environnement, les Amis de la Terre et la Chambre de commerce de Brandon, en 2016, on s'est assis ensemble et on a dit, il nous faut une borne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a fait un projet qu'on est allé présenter à la régie. Et bon, ça n'aboutissait pas et tout ça. Puis, en juillet 2017, Ville de Saint-Gabriel, avec les nouveaux développements qu'il y a à Saint-Gabriel, avait un endroit qui devait refaire la tuyauterie, les aménagements électriques et sanitaires. Fait qu'ils ont dit, bien, on pourrait mettre une borne. Qu'est-ce que vous en dites? Ah! oui, on y va. Fait que donc, c'est le projet de la borne, ce qui est, pour moi, l'importance de cette borne-là, c'est plus qu'un objet là, qu'on a mis là pour le véhicule électrique. C'est un projet collectif. C'est un projet qui a été travaillé, comme je disais, avec la Chambre de commerce de Brandon, les Amis de la Terre, les Amis de l'environnement, et qui a été financé par les commerces, les industries et les organismes communautaires et environnementaux de Saint-Gabriel. Fait que c'est la raison pour laquelle je suis fière d'en parler et que cette borne-là, puis avec l'œuvre de Yves Louis XVI, ça donne un cachet, ça donne un aspect, ça crée un lieu sympathique, convivial, chaleureux. Et en plus, ça s'inscrit présentement, parce que la ville de Saint-Gabriel a créé aussi un parc qui s'appelle maintenant la Place de la Gare. Bon, ça a été baptisé la semaine dernière aussi. Donc, puis ça a été aménagé. Là. Il y a des bancs, ça va permettre aux gens. Il y a des arbres qui ont été plantés et tout ça. Là. On n'a pas encore d'ombre, mais ça va venir un jour. c'est ça la fierté de ce projet-là, parce qu'en plus, oui, ville de Lanaudière, il y a beaucoup de véhicules électriques, mais on n'a pas de place pour se brancher. Et Saint-Gabriel-de-Brandon, dans le nord, il n'y avait rien. C'était le néant. C'était un trou noir sur les cartes Des bornes de recharge. Il y avait un trou, là. Et l'œuvre qui a été réalisée, ça représente quoi exactement? Bien, c'est deux personnages. C'est un homme et une femme. Puis là, je me souviens... Moi, j'ai oublié encore le titre. En tout cas, donc oui, c'est ça qui représente, c'est ça. Puis qui regarde la borne, qui s'inscrive avec la borne et tout ça. Je pourrais vous envoyer une photo. Ah, ben oui, ça serait vraiment intéressant. Oui, c'est ça. C'est ce lieu-là, qui est la place de la gare. Ça rappelle aussi un lieu historique. Il y avait une voie ferrée autrefois et une gare. Et c'est il va y avoir une plaque aussi qui va parler de ce lieu-là en termes de lieu historique aussi. Fait que c'est ça. Ça a eu beaucoup d'impact, plus que juste d'installer une borne. Ça nous a permis de créer une place, un jardin, ça nous a permis... Il y avait une vision derrière. Oui, il y a une vision, puis qu'il va y avoir une phase 2 pour vraiment recréer encore davantage, pour revoir encore davantage la gare et... un moyen de transport, c'est ça, on change de moyen de transport. Il y avait jadis un moyen de transport qui était le train. Aujourd'hui, bien, on aura des véhicules, mais on ne saurait que ce soit un véhicule électrique. D'accord. Puis j'imagine que cette journée-là, les gens étaient invités à participer. Est-ce qu'il y avait d'autres activités qui étaient en lien avec l'événement? Aussi, oui, parce que ça se voulait. Le fait d'avoir une borne, c'est pas juste d'avoir une borne pour une borne, c'était aussi de mettre en évidence toutes les formes d'énergie renouvelable qu'on a, dont lesquelles on peut disposer. Là. Fait que donc, on avait énergie solaire. Québec qui était là et qui nous a fait cuire des muffins. Il y a des fours solaires, juste sans pile, rien, là.
Juste avec l'énergie du soleil. Fait que là, c'est, cette semaine, en tout cas avec les chaleurs qu'on a eues, puis le soleil qu'on a eu, vous aviez pu faire cuire du poulet, puis de tout. C'est ça, il y a des... Puis lui, quand il voyage en camping, il a toujours son four solaire. Fait qu'il fait des muffins, des saucisses. Et même ici, comme il disait, il peut même faire cuire, ça peut monter jusqu'à 700 degrés dans ces fours-là. Fait que donc, on a l'énergie solaire qui coûte... Ça coûterait le poil pour le faire cuire. On avait aussi Jean-Bac avec Marc-André Poirier du Conseil régional en environnement Lanaudière. Un projet dans Lanaudière pour faire du covoiturage. Il faut s'inscrire sur ce site-là. Mais comme, mettons que, comme moi aujourd'hui, j'aurais pu le faire, là, c'est ça, je suis négligente de ce côté-là. Là. Il faut que je m'y mette. C'est ça, tu sais, j'aurais pu aller voir sur le site, dire que quelqu'un s'en venait à Berthier aujourd'hui, puis j'aurais peut-être pu faire du covoiturage avec, au moins annoncer que je m'en venais à Berthier. Faut inscrire son trajet. Faut inscrire son trajet, il y a comme une fiche d'inscription et tout ça. Et c'est offert à travers tout Lanaudière. Fait que donc, c'est bien, ça. Ça fait un autre transport. Il y a le transport collectif, mais il y a le transport covoiturage. Et fait que c'est encore des moyens, c'est ça, pour diminuer notre empreinte écologique. Il y avait aussi l'autobus électrique Lyon, parce que je voulais montrer aussi aux gens puis à nos conseils municipaux que ça existe, des autobus électriques, puis qu'on est capable dans nos municipalités de pouvoir circuler en autobus électrique. Est-ce que c'est silencieux? Oui, très silencieux. C'est silencieux, d'autant plus que c'est ça, parce que c'est tellement silencieux que je pense que les 15, de 0 à 15 km, quand l'autobus commence à rouler, il y a comme le bruit du métro à Montréal. OK. parce que c'est ça, comme c'est un autobus pour que les gens alentour... Parce que réalisent qu'il se passe quelque chose. Bien, qu'il y a un autobus qui passe, s'il y a des piétons, s'il y a des cyclistes, qui se rendent compte qu'il y a un véhicule dans les parages. Ah, fait c'est bien ça, pensé. J'ai trouvé ça original de dire, bien, c'est ça. Fait que, elle dit, écoutez, notre chauffeur, elle nous a dit, écoutez, là, vous allez vous sentir dans le métro de Montréal. Fait que là, on entendait le bruit du métro. Mais là, dans une certaine... ça continue. Il y avait aussi MRC de Dautré avec leur patrouille pour les patrouilleurs de la MRC pour expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos bacs de compostage. Bonne idée. Parce qu'il faut avoir du compost de qualité dans nos... On ne met pas n'importe quoi dans les bacs de compost. Et les endroits où il y a les patrouilleurs et tout ça, déjà, la qualité du compost, ça se fait sentir. Karine Saussier, qui s'occupe... On va d'ailleurs recevoir un patrouilleur pour faire une émission, justement, sur le compostage. Ils sont très, très bons. Et puis, il y avait aussi le marché Brandon, marché avec nos produits locaux et tout ça, et avec le vélo smoothie. Fait que les gens pouvaient faire le smoothie en pédalant. Fait que donc, c'est un kit qui se vend là, sur Internet. Mais moi, j'ai demandé à Bessic Jaune de nous en faire. Fait que là, je ne sais pas. On va mettre ça dans les projets. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Bien, c'est ça. Puis il paraît que c'est facile à... Et s'il y a des gens patenteux là, qui nous écoutent, là, des auditeurs, là, il paraît que c'est facile. Chers patenteux! Patenteux, patenteuses. il paraît que c'est facile à concevoir les matériels, se vend. Mais on peut prendre un vélo usagé et tout ça. Puis, somme toute, est-ce que cet événement a été un succès? Oui. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de monde. Bien, il y avait au moins une centaine de personnes, mais le 23... Bon, en tout cas... Moi, je ne compte pas le succès par rapport au nombre de personnes qui sont là. Oui, on veut toujours avoir plus de personnes, ça, c'est évident. C'est la qualité des personnes aussi. Mais la qualité, oui, les personnes qui sont là, ont le droit d'avoir tout le maximum de ce qu'on peut leur offrir. Mais c'est toute l'information qui circule autour de ça. Tout ce qui est véhiculé et tout ce puis qu'on va continuer de véhiculer aussi parce que tous les partenaires... Parce que c'est ça, il y avait quand même 15 entreprises et commerces. Et il y avait 8 organismes environnementaux, économiques et communautaires qui ont participé à cette levée de fonds. C'est impressionnant. Et c'est ça, fait que tous ces organismes-là vont avoir le logo de véhicules électriques pour faire la promotion, de dire qu'à Saint-Gabriel, ils peuvent venir magasiner, qu'ils vont pouvoir se recharger. Ah, bien, c'est super. En terminant, j'aimerais savoir si vous aviez un conseil à donner aux autres municipalités qui aimeraient un peu se verdir l'image et se verdir en réalité, hein, pas seulement l'image. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? C'est que j'ai rencontré un maire en Gaspésie, qui est le maire
M. Savoie, le maire de Saint-Valérien. Et il va être à Saint-Gabriel le 19 juillet, jeudi le 19 juillet à 13h, à Ville de Saint-Gabriel, à la galerie Yves-Louis XVI, pour donner une conférence sur un plan de développement durable qui a très bien fonctionné pour Saint-Valérien, dont j'ai mentionné tantôt dans la caravane de Gaspésie à cœur. J'imagine que tous les maires vont être invités Tous les maires ont été invités et vous avez juste à confirmer votre présence auprès de Michel Saint-Laurent de Ville de Saint-Gabriel. On mettra les coordonnées. Fait que donc, si j'ai... Oui, c'est bête cas, parce que je pense que c'est ça, il faut que les gens s'assoient ensemble, puis il faut que les gens travaillent ensemble. C'est des... Nos communautés, présentement, si on veut avoir... si on veut vivre dans un environnement sain, parce que c'est un droit pour les citoyens de vivre, puis nos maires et nos élus en font partie de ces citoyens-là, pour vivre dans un environnement sain, il faut s'asseoir ensemble, puis il faut que la collectivité participe. Fait que donc, en tout cas, j'espère que le projet du maire de Saint-Valérien va créer des... va donner de l'espoir, parce que quand on dit... C'est un mot que je n'aime pas employer, là, mais quand on dit zone dévitalisée, moi, je me dis, il y a tellement de potentiel, de richesse humaine. Il y a peut-être une ça dépend sur quel angle on le voit, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans chacune de nos municipalités ou de nos communautés. Puis c'est donner la place aux citoyens d'être là, puis de leur donner la parole, puis de travailler ensemble. Oui. Les citoyens peuvent participer à cet événement-là du 19 juillet? C'est réservé aux maires? C'est réservé aux élus. Je n'ai pas voulu organiser une rencontre publique. Ça aurait été fort intéressant. S'il y a de l'intérêt, Amélie, tu reçois plein de demandes puis de commentaires, bien, écoutez, tout s'organise. Écoutez, tout est organisable. Tout, c'est ça. Rien d'impossible. Mais Odette Sarrazin, merci beaucoup d'être venue. Ça m'a fait plaisir de vous parler. On va suivre attentivement tout ce qui va se passer avec le RVHQ. Puis j'imagine qu'on va se revoir prochainement. Bien, merci beaucoup, Amélie, pour cette invitation.